elle est où, Inès? Inès? Oui? T'es dans quelle pièce? Je suis là. Inès, t'es dans quelle pièce? Ah, elle est là, Inès! Bah, moi, je vous attendais. Ah bon? C'est même en rebond qui est en retard. Hein? On va dire ça. On va dire ça. Coucou tout le monde! Salut les abonnés! Donc bah, on est en compagnie de maman. Coucou les grands, les petits! Ensuite nous avons Jimmy. Elle oublie les prénoms de ses rebords. Non mais j'allais dire Jérémy, mais ça. Jérémy! Ça ressemble! Ça ressemble! Alors on a Jimmy, notre joli blond yeux bleus, mais qu'est-ce que. Mais tu les as amenés ici! Les enfants s'amusent. Oh. Ensuite, on a Adam. Ensuite, notre joli Adam, mon pupère. Alors lui, il a tout pas de patrouille, hein. Son dodo et son t-shirt. Comme d'habitude. Il a ses sandales. Je sais pas où tu les as mis. Elles doivent être dans la pièce à côté. Ok. Et Sabrina, ensuite, là-bas. Qu'est-ce que je vois, ma petite Sabrina qui s'amuse au Lego. Oh ma chérie, elle est bien là. Regardez-moi ça. Voilà. Et ça, tu te rappelles, c'était Nana qui t'avait envoyé ça. Ouais. Oh, c'est une soi-disant reborn, mais reborn d'usine, hein. Pas fait mal. Voilà. Mais on l'aime bien quand même. Il me semble que avant j'avais appelé Sarah parce que je crois que j'avais eu avant mes rebonds. Oui, mais après, on avait, t'avais changé de prénom et tu l'avais appelé Camille. Oui, voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo précédente. Mm-hmm. Dans la vidéo précédente, on vous avait montré l'étudiante. Bon, on vous avait dédicacé sur la vidéo. Et on vous a montré quelques vêtements. Et là, oh, je vois Grégory qui joue dehors dans l'air. Oh, mais tu fais peur. Voici notre gribouille, il est dans le jardin. Oh là là, il n'y a plus là. Il est trop mignon. J'ai peur. Il est bien là. Donc, alors, donc voilà, comme je vous ai déjà montré les tutus, on va juste vous montrer les vêtements qui restent dans la boîte. Mm-hmm. Et on dédicacera pareil pour les autres abonnés. Voilà. En sachant qu'il y a d'autres qu'on a préparés, d'autres smileys dans l'armoire pour la prochaine vidéo. Et donc voilà les smileys des abonnés. Et on a rangé l'autre pile et on en refera d'autres pour la prochaine vidéo. Pour les prochaines vidéos, parce que comme il y a beaucoup d'abonnés qui demandent à être, comment on dit ça, dédicacés. Du coup, on prépare petit à petit, ça sera tout le monde, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui nous le demandent, on le note. Voilà. Voilà, on essaie de faire notre mieux, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Oui, parce que là, j'ai vu, là, tout à l'heure, il y a genre 2 secondes, j'ai vu, on était à 69 992 abonnés. Donc, j'espère que tout le monde ne va pas demander d'être dédicacé, sinon, ben, on fera ça à chaque vidéo, là, tant pis. Ben, même à chaque vidéo, tu n'auras jamais le temps parce qu'il y aura d'autres abonnés, etc. Ben, on essaiera. On va faire 10 000 par vidéo. Voilà, au hasard, on essaiera voilà, dès qu'on peut. Voilà. Pour faire plaisir à tout le monde. Oui. Donc, on ne va pas tout de suite dédicacer la dédicace. On va attendre. On va voir en milieu de vidéo à peu près, dès qu'on le sent. Voilà. Donc ça, on met de côté. Voilà. Alors, touchez pas les grands là-bas. C'est Adam qui les surveille. Et il n'y a pas que qui sont là, j'ai vu. Il y a aussi, là, j'avais vu des rubans que tu as mis. Oui. C'est qui? Mao et Laetitia. Ah, Mao et Laetitia, elles s'amusent. Coucou Laetitia, coucou Mao. Oh, ma petite Mao, il faut la changer, Inès. Hein? Ouais. Elle veut rester avec ses vêtements Halloween. Ça mais va pas. Elle va préférer les vêtements de Noël. D'accord. D'ailleurs, pour Noël, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Mm-hmm. Et du coup, on va commencer à préparer
la fête, enfin, on va mettre le sapin, la décoration, etc. Voilà. Ouais. Et on essaiera de vous filmer et on mettra dans vers la fin d'une vidéo. Tout à fait. Par exemple, là, on va faire le sapin quand après la vidéo. On va vous filmer un peu et puis on mettra en fin de vidéo de la vidéo de demain. Prochaine, tout voilà. À fait. Je sais pas si vous avez compris, mais moi c'est assez clair. Oui, ça a été clair. Ça a été clair. Vous verrez bien demain. Tout à fait. Voilà. Ben, revenons à nos moutons. À nos donuts. À nos donuts. À l'aide. Allez. Alors, les tétines, bon, elles avaient déjà vu, mais tu peux leur montrer encore pour les nouveaux arrivés. Alors, il y a une tétine... Bonhomme de neige. Voilà. Attends, je vais m'approcher ma puce parce que j'ai la lumière du jardin sur moi. C'est bien. Alors, hop. Pardon, oui. Sinon, je peux les poser sur le sol. Voilà. Oula. Ok. Ensuite, on a... Avec un Père Noël. Ensuite, le Père Noël. Regardez comme c'est mignon. Attends, le plastique là, il fait briller. Alors, du coup, on va mettre ici, c'est mieux. Ensuite, on a un zèbre. Le zèbre. Hop. Et le léopard. Et le léopard. Voilà, quatre tétines magnifiques. Alors, on en a montré hier, mais on remontre pour les nouveaux arrivés. Voilà. Et ça, vous les trouvez en pharmacie. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, on va aller à Auchan pour acheter, parce qu'on n'a pas encore acheté les calendriers de l'Avent. Mm-hmm. Et Nina, bah, elle adore le chocolat et les calendriers de l'Avent. Forcément. C'est un truc sacré, quoi. Ah, oui, hein. Du coup, on va aller acheter tout ça tout à l'heure. Et puis, si on voit des belles petites tutus de Noël, ouais, on verra des bien. Petits vêtements. Mais c'est rare vers Auchan. C'est plus les pharmacies Tachi, qui le font. Oui. Ouais. Tachi, ça serait bien d'y aller avant Noël. On essaiera de vous faire une vidéo dès que possible. Dès que possible. Alors, donc, je vais... Donc, on va continuer à vous montrer les vêtements. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des nouveaux vêtements. Je suis pas sûre. On verra bien. Il y a encore une robe de Nina que j'ai remis, que j'ai retrouvée, pardon. Et du coup... ouais. Du coup, je me suis dit, bah, comme ça, il y en a une pour Charlotte et une pour Elisabeth. Donc, la première robe, c'était avec un renne. Ouais. Et celle-là, avec le Père Noël. Avec le Père Noël. Et voilà, trop mignon. J'aime bien là avec la dentelle. Oh là là, oui. C'est trop petite fille là. Ensuite, donc là on a un peu la même robe mais en plus petit. Oui, elle est jolie aussi celle-ci. Avec un renne. Je crois qu'on l'avait mise à Sarah. Elle est passée. Elle me semble. Ouais. C'est trop mignon. Oula. Et tous ces faux. Ensuite, bon alors on a un bavoir avec le Portugal. Vive le Portugal. Comme c'était dans les tons des couleurs de Noël. Ouais, on a fait ça. C'est vrai que le Portugal et l'Algérie, ils ont les couleurs de Noël. Ouais. Rouge, ensuite, blanc et vert. Ensuite, ah. Là, on a des bandeaux. Des bandeaux. Un avec un nœud. Mignon et de tout simple. Un rouge, un vert. Et un vert. Là, ça, il faut couper là, ça, il y a du fil là, qui s'enlève. Faut pas tirer dessus parce que je vais faire un petit point sinon voilà. Tout abîmé. Ensuite là, c'est une barrette. Il y a des bonhommes de neige dessus. Attends, je vais me rapprocher. Je me suis éloignée pour la lumière. Non, pour montrer un peu aux abonnés tes rebords d'un côté. Voilà, parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent plus les poupées que Inès. Les imaginaires. On peut peut-être les rapprocher. Non, ils sont bien. Là, tu les as bien mis, elles s'amusent. Adam est sur la lune. Ouais. Il attend Noël, lui. Ah.
Ensuite, on a un body avec un Père Noël. Tout petit body. Là, c'est plus de la taille de Léo, Raphaël, oui, et voilà. Pucci. Trop mignon. C'est du 62 cm. D'accord. Ensuite, un petit bonnet de lutin. Mm-hmm. Ben, c'est l'ensemble avec la salopette que tu as montré hier. Enfin, le genre de pyjama là. Ouais, ouais, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Un body. Trop mignon. Et ça, je crois qu'on les avait commandés sur internet. Je sais plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment des petits vêtements comme ça ici. Oui, ben oui, le problème c'est qu'il faut trouver sur des sites ou alors sur le bon coin aussi. Les robes, déjà, on ne les a pas achetées en magasin, on les a commandées parce que ça, je crois pas que vous avez ça en magasin. Ouais, non. C'est, je crois sur AliExpress à l'époque. Je crois. Peut-être. Mais sinon, essayez d'aller chercher. Vous mettez sur internet vêtements Noël de tel âge pour filles ou pour garçons. Et puis vous cliquez sur un site ou quoi. Ou, voilà. Que ce soit sur Amazon, c'est Discount, AliExpress. Je crois que c'est tout. C'est les trois sites. C'est trois, oui, où on va de temps en temps. Après, il y a Tati qui a des trucs intéressants. Babou. Ouais, mais Babou. Bah, on fait pas trop de pub parce que on a plus le droit. Ah ouais. Comment on va faire hein, si l'article 13 passe? Tu vas dire bon. Alors j'ai acheté ça à Bip. Et puis ça, ça vient de Bip. Ça sera... Et tout vient de Bip. Voilà. Voilà. Ah, c'est stupide. Un géant bonnet. Ok. C'est pour papa ça. Pour cacher les oreilles la nuit. Ah, bah, on a une chute. Ah, t'as retrouvé. Cool. Donc, alors, celle-ci, c'est un... Un renne. Un renne. Voilà. Bon, je la montrerai tout à l'heure. Je c'est la suite des chutes, en fait. Je crois aussi que celle-ci, on l'avait achetée en pharmacie. Oui. Il me semble. Oui, ben oui, regarde, c'est les mêmes. C'est souvent en pharmacie tout ce qui est de Noël. Je trouve pas dans les magasins, c'est très rare. Ou alors, vous regardez sur Amazon, c'est tout ce voilà. Il y a que là où vous allez trouver ou sur des sites américains. Ouais. Là, c'est le bonheur. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut payer en... dollars. J'ai déjà été, il y a des trucs super intéressants, même pour toi en vêtements. Mais je sais pas comment on fait pour payer en dollars et... Si tu fais... Mais je crois que tu as une option pour payer en euros. Oui, il faut regarder. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas trop confiance. Il faudra voir. Ah. On peut peut-être essayer une fois et puis si c'est pas. Si c'est de l'arnaque, voilà. On arrête. Un autre bonnet. Alors là, par contre, des bonnets, on en a plein. Ah ouais. Je crois qu'il n'y a même pas tous les bonnets dans la c'est boîte. C'est clair. Dans la boîte de Noël aussi que papa va sortir du garage. Ouais. Dans il y a une boîte garage. Où il y a tous les vêtements, les affaires de Noël. Et l'année dernière, on avait fait Noël avec des boules qu'on avait depuis je sais pas combien de temps. Et cette année, on a décidé de vraiment tout changer, de faire tout 2018 oui. Quoi. C'est ça. De tout changer parce tout que tout moderniser. Elles étaient en train de jaunir et tout. Ouais, c'est clair. Vieille. Je m'étonne. En plus, c'était celle des mamies, donc je te dis pas. Ouais, ça, je crois la première fois qu'on a mis les boules de Noël qu'on a jetées là, mm-hmm. Je devais avoir un an. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ça fait 13 ans. Non, il faut changer un petit peu là. Surtout ouais. Qu'il y a des nouveautés magnifiques. Ah, Jiffy, partout. Ouais. Jiffy, j'aime bien, il y a des trucs vraiment pas chers. Bah, c'est là-bas qu'on avait acheté le. C'était quoi, le bonhomme de neige? Oui. Ouais. Ça aussi, il faudra le mettre. Ah ça, on préparera cette semaine. On laisse papa finir les peintures. Fais pas une décoration avec des murs tout craquerin. Hein? Ah, ouais. Oh, c'est joli ça aussi, ça appartenait à Nina. Bah, c'est l'ensemble de hier que voilà. Je vous avais montré. Tout à fait, mais elle l'a presque pas mis parce qu'elle a grandi d'un coup. Malheureusement. Et comme Noël c'est une fois par an. Bah c'est ça. C'est pas facile de mettre les vêtements, tu vas pas le mettre à Pâques par exemple. C'est clair. Ça serait un peu bizarre. Mais Nina va faire comme Anthony. Anthony est resté longtemps petit et d'un coup, tchou,
Fait presque 2 mètres. J'espère que Nina ne fera pas 2 mètres. Hein. Peut-être, c'est possible. Hein, oh mon Dieu. La pauvre, elle ne pourra pas mettre de talons. Un autre bonnet. Alors, est-ce qu'il marche encore celui-ci? Non. Je crois pas. Non. Pareil que l'autre, il n'y a plus de pile. Plus de pile. En même temps, ça fait un an. Ouais. Non, mais si vous laissez allumer, forcément. Non, c'est pas allumé. Mais ça fait un an. D'accord. On a vu les piles. Non. Je sais pas. Ensuite, là, on a des chaussettes avec un ours avec un bonnet. Oh, trop mimi. T'es bien sur ton petit donuts? Oui, très confortable. Ensuite là, bon, c'est juste un caleçon noir, mais comme c'est dans les tons de Noël. Ah, mais je le cherchais pour habiller les triplés. Il en manquait un et il est là. On a dû l'utiliser pour le Noël. Ok. Maintenant, je sais qu'il est là. Ça, c'est une boîte de Noël qu'on a eue à Christine. C'est joli, hein? Ouais. Comme ça, on pourra finir la décoration. Trop mignon. Ensuite, là, c'est des bottes qu'on accroche à la cheminée. C'est ça. Que nous avons acheté à Lidl sans faire de pub. Ouais. C'était pas cher. Après, ça, c'est facile. On peut le faire nous-mêmes avec de la feutrine. C'est facile. Comme tu sais bien coudre. Mmh. Nous on t'aide. Faut avoir du temps aussi. Entre tes rebords, mon travail, les travaux de la maison. Et ranger tout le garage. Ouais. Et les copines qui râlent parce que je suis pas dispo. Il y en a qui vont se reconnaître. Aïe aïe aïe. Ensuite, ah oui, bon, ça je vais vous montrer à la fin parce qu'il est en dessous. Mm-hmm. Alors. Ah, ça c'était tous les vêtements que la maman d'Olivia t'a donné. Oui. Trop mignon. J'adore. Voilà. Ensuite, une boîte de Noël. Oh là là, c'est ça que j'avais fait en... À l'époque, tu avais 3 ans. J'étais petite, oui. Ouais. Quand je faisais encore un nounou. Et on adorait faire des activités comme ça. C'est ça. On et là, je fais en couture. Je me souviens même une fois avec du carton. Très simple à faire. Tu fais une grosse boîte. Tu fais un petit trou pour... vous savez, la boîte aux lettres. Ouais. Encore on le fera en leur montrant en activité à tes abonnés. C'était trop bien. Ça. C'était trop bien. Il faudrait faire ça. Chercher une boîte et comme ça, je leur montrerai... C'est super facile à faire. Et je sais pas si on l'a gardé. Non, ben non, c'est en carton. Ouais. Avec le déménagement, elle s'est abîmée, mais c'est facile à faire en gros. Ouais. si j'ai des images de cette boîte qu'on avait faite, ouais, ce serait bien que je la mette en vidéo. D'accord. Faut chercher dans l'ordinateur de Nina. Il y aura sans doute. Ok. Alors maintenant, on va commencer à dédicacer les abonnés. Et allez, on va reprendre. Allez. Donc bien sûr, ceux qui ne sont pas dans ces papiers aujourd'hui, vous serez sans doute demain, après-demain. Voilà, voilà, dans les autres vidéos. Tant que la chaîne fonctionne, qu'il y a toujours des abonnés, il y aura toujours des dédicaces. Voilà, exactement, parce qu'on veut faire ce plaisir-là, c'est normal. Parce que c'est grâce à vous que la chaîne continue, puisque vous aimez ça. Et il n'y a pas de raison qu'on vous fasse et pas peut-être plaisir. Même qu'au moment où on vous parle, peut-être que j'atteins mes 70 000 abonnés. Oui. Et aux 100 000 abonnés, je dis je me montre. Ouais, voilà. 100 000 abonnés, alors abonnez-vous. Et il faut savoir que donc là, si j'ai mes 70 000 abonnés, dans 10 000 abonnés, donc aux 80 000 abonnés, il y a le concours. Je c'est vous vrai. Ferai une vidéo, je la posterai demain, mm-hmm, ou peut-être tout à l'heure si on a le temps de la faire. Je suis déjà en train de préparer le reborn à gagner. Donc, voilà. Ouais. Donc si on a fait la vidéo aujourd'hui, je vous la posterai aujourd'hui là, pour le concours. Et sinon, elle sera postée demain. Voilà. Ok. Donc alors, on
passe aux dédicaces. Aux choses sérieuses. Voilà. Alors, un dédicace à Émilie Copin. Émilie Copin. À Flavie Camille. Flavie Camille. À Belou Léa. Belou Léa. Je répète, hein, parce que comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous reconnaissez. Voilà. À Loulou Musique Reprise. Loulou Musique Reprise. C'est mignon de faire comme ça, t'as une bonne idée des smileys pour tes abonnés. Ouais, c'est mignon. À Miss Sister. J'aimerais bien que tu me dédicaces. Je dédicace aussi à ma maman. Ah, c'est vrai, je le mets sur un smiley. D'accord. D'accord. Pour ma dédicace aussi à Adam, Sabrina, Jimmy, à tous les rebonds. Ensuite, on dédicace à Darin Den. Darin Den. À Noémie et ses, ses poupées Noémie. Noémie et ses poupées Noémie. À Mini Mimi. À Mini Mimi. À Evana Rémy. Rémy, comment on veut? Evana Rémy. À Sandrine Robert. À Sandrine Robert. C'est pas ceux d'hier? Non. Ah, je pensais. J'ai des prénoms qui reviennent. Mini Mimi, je crois c'est. On l'a dédicacé hier. C'est pas grave. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Et à Marlène Bonnel. Marlène Bonnel. Donc voilà. Et bien une deuxième fois pour Mini Mimi. Un gros bisou à toi et à toutes les abonnées dédicacées. Et donc les prochaines pour demain, l'autre vidéo. Voilà. Alors, on a vérifié pour. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Oui, pour Mimi. Mais pour Mini Mimi. En fait, on a confondu avec Lily Mimi. Voilà. Et Mini Mimi. Mimi. Oh. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est très très bien. Comme par hasard, c'est la dernière. Voilà. Donc, c'est. Pardon, Mini Mimi, on ne t'avait pas dédicacé. On a confondu avec Lily Mimi. Voilà. Ouais. Donc voilà pour les dédicaces, j'espère que vous êtes tous contents. Et voilà. On va continuer à vous montrer les vêtements. Et puis après, bah, avec tout ce qui reste, je crois qu'il y aura une partie 3. D'accord, ben, on va faire dans la partie 3. Comme ça, on va préparer les autres smileys et les autres dédicaces. Voilà, donc demain... on vous postera donc la partie 3 et en même temps bah, pour le concours. Donc demain, soit demain il y aura deux vidéos, soit aujourd'hui il y aura deux vidéos. Voilà, ok. En plus on a raté une vidéo hier à cause de la connexion. Du coup normalement c'est réglé. Normalement. On verra bien. Voilà, alors pour la prochaine vidéo. La partie numéro 3. Oui, 3. C'est l'état. Comment tu dis en espagnol? Tres. Tres. Oui. Voilà. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour savoir quand je poste une vidéo. Et voilà. À très bientôt les abonnés. À très bientôt. Bisous. Gros bisous à vous. Et bisous de Sabrina. De Adam. De Adam. Et de Jimmy. Pauvre, on a une trou de prénom avec Jimmy, c'est fou. Oh non. Et de Laetitia. Et de notre jolie Mao. Bye tout le monde. Bye.
bisous.